Salut tout le monde et bienvenue sur la Hangover Subject TV, épisode numéro 2. Alors d'abord, merci d'avoir été si nombreux la semaine dernière pour qu'on célèbre ensemble nos 20 ans, ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, voir tout ce monde qui nous suit comme ça, c'est top. Et dire qu'on a failli jamais les fêter ces 20 ans. Ouais, il y a 12 ans, Hangover, ça a failli s'arrêter. Notre premier batteur a été parti vers de nouveaux horizons et avec Michel, on s'est quand même demandé si on continuait ou pas, si... On avait perdu un tiers quand même de nous. Et puis on a trouvé Flo, et puis l'aventure a continué, heureusement. Avec l'arrivée de Flo, le groupe a pris une toute autre dimension. Il nous a apporté ce qu'il nous manquait, et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, quoi. Alors Flo c'est devenu mon pote, mon ami, mon frère, et c'est le batteur dont j'ai toujours rêvé. 12 ans d'aventure à ses côtés. Alors je profite de cette émission pour lui rendre hommage. Merci Flo, merci, vraiment. Alors tout comme ce projet, vous l'aurez compris, Hangover Subject, c'est d'abord une histoire d'amitié. Et finalement, c'est peut-être ça la clé pour perdurer. Dans ce monde où tout devient éphémère, l'amitié, ça reste le point clé pour perdurer, à mon sens. En parlant d'amitié, on va en revenir à notre deuxième volet. Aujourd'hui, c'est une version de Acouled qui va être revisitée. Alors c'est issu de l'album Before It's Too Late, qui est sorti en 2016. Et cette version, on la doit à deux potes, à Caleb Zaharis et Franck Rousseau. Alors Caleb et Franck, c'est des potes de longue date déjà. On les a rencontrés alors qu'ils évoluaient au sein de Cobalt. Puis c'est devenu des amis, quoi. Aujourd'hui, ils ont monté un nouveau groupe qui s'appelle Black Sunrise. Actuellement, ils sont sur l'écriture et la mise en place de tout ça. Et j'espère qu'on va bientôt les voir sur scène parce que ça promet de déboîter. Alors sur cette version, Flo s'est collé à la batterie. Caleb et Franck font tout le reste, ils ont remanié habilement le morceau et moi perso j'adore. Alors fans de Stoner, s'il y en a, vous allez aimer. Alors une fois de plus, merci à vous tous, merci à Franck et Caleb pour ce beau cadeau. Pour rappel, pour ceux qui découvrent le truc, donc Hangover Subject, 20 ans, 40 musiciens qui sont alliés à nous pour réécrire et refaire 20 morceaux, des versions inédites. Donc aujourd'hui, c'est Acouled par Black Sunrise. Bonne écoute, prenez soin de vous et à la semaine prochaine, mardi 19h sur la Hangover Subject TV. Pensez à vous abonner et à liker si vous aimez. Ciao, bonne écoute.